suis Achille pour le focus client d'IDU. Action. Je suis actuellement directeur adjoint en charge des centres de contact multicanal. L'UGAB, c'est une centrale d'achat publique, une centrale d'achat généraliste. C'est plus de 22 000 clients qui nous font confiance chaque année. C'est 1,4 million de références produits qui sont proposées à nos clients sur 3500 marchés. Depuis 2011, on a un centre de contact multicanal. Le centre de contact, ça a environ 200 000 appels par an. Et si on regarde en 2023, on prévoit un peu plus de 700 000 interactions qui seront traitées par le centre de contact multicanal. La mission, c'est d'abord de répondre aux clients de la façon la plus claire, nette et simple possible, dans un délai court, et surtout de respecter, puisque on a quand même un impératif en matière de qualité de service, le taux de décroché. Donc on a un objectif, c'est un taux de décroché de 90%. Par ailleurs, un taux de traitement des demandes qui nous arrivent, 90% de cette demande doit être traitée à J+1. Donc nous avions au démarrage trois problématiques. D'une part, simplifier le parcours du client, améliorer son expérience. Deuxième sujet, réduire le coût de certaines sollicitations simples qui jusqu'à présent étaient traitées soit dans le centre de contact ou alors dans le réseau commercial directement. Troisième élément, se mettre au standard de la relation client. Et le bot a démarré le 9 février 2022, de façon précise. Il y a trois critères sur lesquels IDU a performé. Le premier critère, c'est la prise en main. Le deuxième critère, c'est l'interface. Et le troisième critère, c'est l'autonomie. C'est que d'abord, quand il a fallu le tester, on a sollicité des collègues dans le réseau commercial et aussi quelques collègues au niveau de la direction du digital. Et au-delà de ça, on a aussi eu à communiquer de façon beaucoup plus générale, puisqu'on a un outil de communication interne et on a aussi eu à organiser une réunion pour présenter ce que serait le bot. Il utilise d'abord pour des demandes d'informations produits. C'est absolument pas ce qu'on avait prévu. Quand on a mis en place la solution, on l'a mise en disant le bot va reprendre l'intégralité de ce qui était mis dans la FAQ. Erreur que nous allions commettre, parce que finalement, il y a toujours autant de clients qui vont sur la FAQ, on a d'autres qui vont sur le bot. Une fois qu'on a mis en place la FAQ, deuxième étape, on a mis en place l'API pour remonter les informations liées aux dates de livraison des produits. Compte tenu de l'utilisation qu'on a constatée finalement du chatbot, on a mis en place la solution MailJet qui nous permet finalement de récupérer, de capter les demandes d'informations produits des clients et de les adresser au centre de contact multicanal. Avant, nous avions entre 26 000 et 30 000 clients qui allaient sur la FAQ. Maintenant, nous avons plus de 40 000 interactions sur les deux canaux. Je vais synthétiser en quelques mots la relation avec IDU. La solution est claire, les équipes sont disponibles et réactives.